J'ai décidé d'ébranler les consciences de la distribution, de donner les éléments nécessaires pour que le consommateur puisse choisir. J'ai décidé de faire évoluer les choses. Je suis une faiseuse. Je suis Jocelyne Leporati, présidente d'une association qui s'est créée en 2007, qui s'appelle Club Génération Responsable. Mon initiative positive, faire changer le monde du retail, parce qu'il va permettre aux consommateurs d'avoir le choix. Retail, le commerce organisé, toutes ces enseignes que tous les jours vous voyez dans les rues commerçantes et dans les centres commerciaux. Embarquer les collaborateurs de toutes ces entreprises. Ça veut dire réussir pas à pas à changer les stratégies des directions en général et réussir, parce que tout ça est plein de bon sens, à embarquer l'ensemble des collaborateurs des entreprises qui réagissent avant tout en tant que citoyens. On travaille pour améliorer la traçabilité des produits, savoir ce qu'il y a dedans, par qui ils ont été faits, quelles sont les actions effectivement qu'on peut pousser pour avoir des produits qui soient meilleurs, qu'on apprenne à en consommer moins. Voilà, tout plein de choses du quotidien qui n'auraient jamais dû cesser d'exister. Que mes enfants et petits-enfants auront peut-être un monde meilleur. C'est déjà énorme. Que tout simplement, ils auront une vie. Qu'ils puissent faire comme moi, en profiter, faire leur choix et mener leur vie à bien. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que ça va donner si on continue dans le mouvement perpétuel de cette surconsommation. Moi, être engagée, c'est pas à pas être en permanence dans une démarche d'amélioration continue. Quelqu'un qui, à son niveau, veut changer les choses, fondamental. Moi, c'est agir, hein, envers et contre tout. Je crois que mon secret, c'est la pugnacité. Je suis Bélier ascendant Lion, puisqu'on m'a demandé. Voilà, donc la pugnacité. D'une rencontre d'une personne totalement atypique qui avait révolutionné dans son entreprise le monde du retail. Du ramassage du coton jusqu'à l'étal, tout était responsable. J'avais jamais vu ça, donc ça m'a effectivement ébranlée. Je suis allée le voir pour un rendez-vous d'une heure. Je suis rentrée dans son bureau à Lausanne à 14h. On a terminé à 3h du matin autour d'une fondue. Et là, j'ai eu envie de recréer le monde du retail à ma façon. À la sienne, mais à la mienne que je m'étais appropriée. Et en fait, je suis allée chercher quelques responsables développement durable naissants dans ce monde des enseignes pour leur dire, venez voir, là, j'ai rencontré un mec, il est absolument sublime. Et en fait, peu à peu, j'ai emmené de plus en plus de monde et c'est comme ça que j'ai créé mon association en se disant qu'à plusieurs cerveaux, on allait avoir plus de chances d'y arriver et que tous ensemble, on irait peut-être plus loin et peut-être plus vite pour changer les choses. Des gens comme ça, c'est un peu comme Pierre Rabhi, je l'avais rencontré avec Maxime d'ailleurs, c'est quand vous les écoutez, vous avez envie de vous laisser embarquer au bout du monde et d'un seul coup, vous vient des grandes idées, des grandes envies. Voilà, ce sont des gens qui aspirent au changement. Et ça, c'est formidable. On se déclipse que c'est vraiment ça, c'est d'avoir compris que quelqu'un, en toute humilité, avait été capable de créer son entreprise basée sur la responsabilité. Et donc, c'est possible. Donc, quand c'est possible, tu te dis si c'est possible pour lui. Je pense que je vais réunir un collectif pour voir quels sont les sujets les plus appropriés sur lesquels on peut embarquer encore plus de monde dans le domaine du retail et de la consommation en général, parce que ce ne sont pas seulement que les acteurs du retail, mais c'est aussi tous les fournisseurs, toutes les parties prenantes du retail. Je pense que réunir ces gens-là et leur faire prendre la décision de qu'est-ce qu'on va faire ensemble de tout cet argent pour vraiment révolutionner les choses, je pense que c'est l'idée qu'il faut avoir. Changer un tout
partie, une toute petite partie de ce monde de la consommation, ébranler quelques grosses entreprises. Les petites gouttes font les grandes rivières.